Et sache qu'une meuf peut coucher avec un gars qu'elle respecte, même si elle l'aime pas. Ou même si elle n'est pas d'accord avec lui, ou même si elle est énervée après lui, etc. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'est-ce pas? T'abonner, tu connais. Mais un petit j'aime, t'inquiète pas, ça va bien se passer aussi. Ici c'est Jonathan Hachin, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, devenir une meilleure version de soi-même. Je pense que j'ai fait le tour sur tout ce qui est possible pour les hommes les gars. Hein donc déjà, étude de cas les gars, où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer à l'arnaque. Regarde quand même, hein. Et deuxième chose, ma formation Pirate Marketing où je te montre toute stratégie pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et en plus, en bonus, j'ai rajouté les e-commerce, personal branding, investissement dans l'immobilier, la crypto. Bref, si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu pourras avoir un rendez-vous offert, tu mets ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Tu pourras poser toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspondre ou pas. Et puis après, si tu passes à l'action, ben, ça prendra du temps et ça sera dur, qu'on soit clair. Hein. Il pourrait être libre contre 2 à 5 ans. Ok, tu restes focus 2 à 5 ans, t'es bien normalement. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique. On a grandi dans le quartier des pyramides, les gars, ça fait plus de 3 ans qu'on voyage, on a découvert le business en ligne super tard, plus de 30 ans. Arrêtez de chialer, les gars, si tu fais rien, garantie 100% remboursé, il va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Voilà ce qui va être en irrésistible auprès des femmes. J'ai eu l'idée de cette vidéo en sortant d'un date. Et ouais, les gars, des fois on me demande comment tu fais pour faire une vidéo par jour? Je m'inspire, dès qu'il y a un truc qui passe dans mon cerveau, je fais une vidéo. Je ne réfléchis plus. Une idée, boum, on teste. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc, comme tu le sais, si jamais tu regardes mes vidéos depuis un petit moment, tu sais que y a une grosse différence au niveau de l'attraction quand tu es une femme et quand tu es un homme. Okay, c'est complètement différent, ce serait peut-être même l'opposé. Bref, mais je te fais quand même un petit résumé pour que ce soit pour ceux qui viennent juste d'arriver. D'ailleurs, abonne-toi. Un homme est attiré par la beauté de la femme, puisque là, je pense que j'ai perdu personne. Alors que pour un homme, c'est pas par rapport à ta beauté que tu attires la femme. Ouais, ça n'a rien à voir, les gars. Et c'est aussi l'avantage d'être un homme. Enfin, l'avantage, l'inconvénient, je ne sais pas trop. Mais le fait, l'avantage d'être un homme, c'est qu'il y a différentes façons de pouvoir être attractif auprès de la femme. Ok, c'est pas juste basé sur le physique, contrairement à la femme, tu vois. Évidemment, si jamais tu es super beau, ce qui est très rare, c'est, je sais pas, c'est peut-être les 10% des gars qui sont vraiment beaux, genre vraiment beaux, pas beaux quand ils sont devenus célèbres. Ok, genre vraiment beaux, genre ils sont beaux. Les meufs, elles disent, il est trop beau. Ok, ça c'est différent. Mais 90% des gens qui regardent cette vidéo ne font pas partie de ces catégories. Alors, heureusement quand même qu'il y a d'autres façons pour les hommes, en tout cas, de pouvoir être attirant auprès des femmes. Donc, en gros, pour les hommes, pour pouvoir attirer les femmes, ça va jouer sur le charisme, ça va jouer sur le statut. J'en parle beaucoup sur la chaîne. Statut, argent, pouvoir, évidemment le physique aussi, avoir le six-pack. Hein, t'as six-pack ou rien, les gars, pour le prix où... le prix où tu peux avoir accès, je pense qu'on est bien. Et puis après, évidemment, connaître le secret de la nature féminine. Tu as Zeus en description aussi. Ouais, j'ai tout couvert, les gars. Donc forcément, ça s'appelle avoir du game. Tu vois, savoir comment se comporter avec la femme, etc. Surtout vu comment dans le monde moderne dans lequel on vit, tout a changé. Les femmes, c'est plus comme avant. Tu peux plus dealer comme avant. Ça n'a rien à voir, les gars. Si tu n'es pas conscient de la nature féminine, tu vas te faire manger sur le marché du dating. Voilà, tu vas rien voir. Chut, hop, chut, hop. Non, c'est terminé. Donc bref, pour revenir à ce que je disais, c'est qu'un homme a différentes manières de pouvoir attirer les femmes. Il est bien habillé, il est charmant, il a de l'argent, il a du pouvoir, il a du charisme, etc. Il a du statut. Et donc c'est pour ça que nous les gars, on est plus enclin à aller dans les métiers où ça gagne beaucoup parce qu'on sait que notre valeur, intrinsèquement, elle est basée sur notre leadership, notre manière de pouvoir donner de la sécurité financière auprès de la femme qui sera à nos côtés par exemple. Ok ? Donc, du coup, ça, tu es au courant, normalement, si jamais tu regardes mes vidéos. Mais un autre point dont je ne parle pas souvent, et c'est vrai que je pense que par rapport aux vidéos que je regarde sur le marché américain, parce qu'en général, je regarde que des vidéos sur le marché américain, ça m'évite de me laisser influencer par les vidéos que je vois en français, imaginons. Donc, c'est pour ça que je consomme que du contenu américain. Il y a un autre point qui est super important et qui est négligé, les gars, de tous, hein, et qui va te rendre irrésistible auprès de la femme, c'est ton intelligence. Non, intelligence, mais ça veut dire quoi? 2 plus 2, 4, c'est bon ou pas? Non, c'est un petit peu plus... C'est différent, ça n'a rien à voir. Alors, comment je sais ça? Parce qu'en fait, à force de regarder des podcasts, il y a toujours des débats, etc. Et c'est vrai que c'est un truc qui revenait à chaque fois. Elles disent souvent,
je veux être avec un gars qui va m'apprendre des choses. Voilà. Ça, c'est le truc à peu près qui revient à chaque fois. Ah, j'aimerais que je puisse être avec quelqu'un qui puisse m'apprendre quelque chose, des choses, quoi. En gros, ça veut dire, l'intelligence, ça veut dire quoi? C'est d'avoir de la connaissance et être en capacité de l'articuler correctement, voilà, et pouvoir, je sais pas, l'aider sur certaines choses ou lui apprendre des choses dans la vie, etc. D'où pourquoi la femme cherche toujours des hommes d'expérience. Et après, là, tu vas dire, ouais, n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ce que tu dis, etc. J'ai un exemple, les gars. Vous connaissez Andrew Tate? Ok? Vous connaissez Andrew Tate? À chaque fois qu'Andrew Tate, il parle avec une meuf, alors qu'elle n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, hein. Okay. Et elle n'est pas du tout d'accord, féministe de ouf, c'est du n'importe quoi, etc., etc. Et quand il y a eu le débat entre Britney et Runner, enfin, il y a eu un podcast où il y avait plusieurs meufs, il y avait Andrew Tate. Okay. Et après, à la fin, le host du podcast a demandé aux filles, alors du coup, qu'est-ce que vous avez pensé, etc., etc. Elles étaient toutes en kiffance, frère. Elles étaient toutes en kiffance. Tout d'un coup, Andrew Tate, il était trop beau, il est trop intelligent, trop ceci, trop cela, trop sexy. Ça y est, c'était fini, il avait pillé le game. Tout ça pourquoi? Parce que durant le débat, bah, il a su bien articuler ses pensées, il a su bien expliquer pourquoi, etc. Pourquoi il pensait comme ça, etc., etc. Pourquoi c'était efficace. Et donc du coup, en gros, il les a pillés, quoi. Parce que même si jamais, genre, elles vont dire, ouais, il y a peut-être des trucs où je suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi ils pensent comme ça ou pourquoi c'est comme ça. Mais bon, au final, elle est amoureuse, quoi. Au final, elle est amoureuse. Fallait juste les voir, ça brillait, leurs yeux brillaient. Alors qu'avant, de l'avoir vu, non, ça brillait pas. Mais après l'avoir vu, une fois qu'elle a discuté, étalage de son intelligence. Alors je sais qu'il y en a les haters de Andrew Tate, ils vont dire n'importe quoi, il est pas intelligent, etc. Tu sais, c'est fou comment les gens, quand ils aiment pas quelqu'un, tu sais, perdent toute rationalité. Comment tu veux dire qu'un gars, il est pas... Le gars, tu veux me dire qu'il est pas smart? Il fait des... Je sais pas combien, des millions et des millions. Il a réussi à manger tout Internet en... Je sais pas en quoi, en un an, quand il a vraiment décidé. Bon, ça fait un moment qu'il est sur YouTube, etc. Mais quand il a vraiment décidé, il a tout pété. Il est le gars le plus googlé en 2022. Mais il est teubé, évidemment. Et il y a même des gars, ils vont dire, yeah, c'est pas vrai, il n'a pas de meuf. C'est un homosexuel, en vérité. Vous le saviez pas. Eh ouais, c'est un homosexuel. Faut savoir prendre les gars. Même si j'aime pas quelqu'un, si jamais il y a un truc qui est pertinent qui dit, c'est vrai, c'est tout, c'est vrai. Enfin, je suis capable de faire la part des choses. Bref, tout ça pour dire que quand tu fais preuve d'intelligence, ça va l'idée sur un respect qu'elle aura de toi. Et comme tu l'as vu venir, une fois qu'une femme te respecte, eh ben, elle est capable de t'aimer. Si une femme ne te respecte pas, elle ne peut pas t'aimer. C'est pour ça qu'une meuf ne peut pas aimer un bêta. Les gars gentils, les gars dans la friendzone, etc. Elle ne peut pas aimer parce qu'elle ne te respecte pas de base. Respecte pas, mais t'es pas un homme, elle te voit même pas comme un homme, elle te voit même pas de toute façon. Et sache qu'une meuf peut coucher avec un gars qu'elle respecte, même si elle l'aime pas, ou même si elle est pas d'accord avec lui, ou même si elle est énervée après lui, etc. À partir du moment qu'elle le respecte, elle peut rentrer en intimité avec lui. Le contraire n'est pas vrai. Alors évidemment, après, faut pas se concentrer parce que je vois, tu sais, chaque gars, dès qu'ils ont un point fort, et parce que peut-être qu'il y a un gars qui est smart et qui se dit, ah ben je suis smart, donc c'est bon, je suis intelligent, donc ça c'est bon. Non, faut être, les gars, faut être bon dans tout. faut être intelligent, faut avoir... Eh ben ouais, c'est ça, les gars. La vie n'est pas facile. Hein. Déjà, le marché de dating, il a changé. Hein. T'as intérêt, tiens, t'as funnel Tinder où je t'explique exactement les étapes pour avoir des dettes en illimité. C'est cadeau dans la description. Et il faut que tu sois intelligent, il faut que tu aies le six-pack, il faut que tu aies du statut, il faut que tu aies de l'argent. C'est ça, quoi ça. Plus tu vas exceller dans tous ces compartiments-là que je viens de te donner, plus tu vas pouvoir taper haut. Taper haut, ça ne veut pas dire forcément en beauté, mais ça veut dire en beauté intérieure, si on peut appeler ça comme ça. Ça veut dire qu'elle a un bon état d'esprit, elle est féminine, elle n'est pas dans le féministe. Elle n'est pas féministe, etc. Elle prend soin de toi, etc. Pour elle, ce n'est pas un gros mot quand tu lui dis qu'elle est une femme soumise ou que c'est une femme qui prend soin de son mari, qui fait un sandwich à son mari, par exemple. Pour pas ça. Voilà. Donc, dans tous les cas, il faut être au top partout. Et après, tu pourras entendre ce genre de phrase, il est intelligent et en plus, il est sexy. Voilà. Tu as déjà entendu ça ou pas? Eh bien, si tu n'as pas entendu ça, voilà. C'est faut avoir le six-pack. C'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu ça. C'est pour ça que quand je suis sorti du date, voilà. Parce qu'au début, j'ai fait le mec. Bon, tu veux savoir, tu veux une petite anecdote? Ok, bon, vas-y, on y va. De toute façon, on est fou, là. De toute façon, moi, je suis célibataire. Je peux me permettre de raconter des histoires. Bon, du coup, durant un date, elle commence à me parler de ouais, tout ça. Moi, j'aimerais quitter mon taf, etc. Enfin, genre, j'aimerais. Enfin, ouais, en gros, elle voudrait quitter son taf, être libre, etc. C'est des sujets, faut pas me lancer. Si tu me lances trop, c'est des trucs, je me retiens. Parce que si tu commences à me parler de business, liberté, tout ça, machin, moi je peux parler pendant des heures.
Ok. D'ailleurs, ça m'avait joué préjudice une fois. Donc, tiens, ben, c'est parfait ça. Ça te donne un exemple quand même que intelligence, mais parcimonie. Parce que je me rappelle, c'était un date que j'avais eu, je crois, au Canada. Je te raconte une histoire sur une histoire. C'était un date que j'avais eu au Canada et la meuf, tac, on commence à parler et tout. Et elle faisait un truc marketing, un truc pareil, un truc peut-être coaching, un truc comme ça. Mais un truc vraiment similaire à ce que je faisais. Ah, moi, j'étais... Elle a commencé à me parler un petit peu de business comme ça. Un petit peu. Gars, j'étais lancé. Ah là là, je parlais que business. Après, c'est comme si c'était des potes. Ben voilà, j'étais tellement des potes que c'était que des potes. Tu vois, il n'y avait plus d'attirance. Voilà. Et donc après, je me suis dit, ah, bon, ben, la prochaine fois, peut-être faire plus attention. Quand même, parce que là, faut faire attention quand même. Et donc, du coup, bref, pour revenir à la première histoire, du coup, j'essaie de faire attention quand même. Donc, quand là, j'ai vu qu'elle commençait à parler de trucs, oui, j'aimerais bien être libre aussi, après, j'étais là, oh là 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 là. J'ai commencé par parcimonie, voilà. Commencer à dire des petits trucs, tout ça, après, t'es là, ah ouais, ok. Parce qu'elle commençait à dire, évidemment, à avoir des stratégies qui n'étaient pas forcément efficaces, j'imagine bien. Moi, c'est mon taf. J'ai coaché pendant chez toi des années. Donc, à un moment donné, quand on commence à me parler de liberté, je sais de quoi je parle. Donc, du coup, j'ai commencé à lui dire des petits trucs, gentiment, tu vois, en me disant, ah, c'est bien ce que tu veux faire, etc. Mais imaginons si tu avais fait comme ça, et par rapport à l'objectif, qui est ton objectif. Parce que, donc, après, tac, elle dit, ah ouais, tout ça, ah ouais, effectivement, si je fais comme ça, ah ouais, j'avais pas vu tout ça. Ah là là là, allez, là, ah ouais. Tu vois, donc du coup le côté intelligence, voilà, et puis après j'ai fait une petite accélération, je te passe les détails, et après elle a fait intelligent et sexy à la fois. Voilà, c'est ce que tu veux entendre, voilà, donc du coup les gars, et quand elle a dit ça, sexy, tu es sexy et intelligent, tu es intelligent, elle a dit dans ce sens là, tu es intelligent et sexy, et je lui ai dit, tu sais quoi, c'est pas faux ce que tu dis. J'ai envie de te dire que sur ce coup-là, tu n'as pas manqué de clairvoyance. On voit que tu as fait des études. Et voilà que là-dessus, je ne vais pas te contredire. Je pense que ouais, je pense que tu es dedans. Tu es dans le mille. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin avec moi. Date en illimité les gars, funnel Tinder. Hein, d'ailleurs, j'ai utilisé cette stratégie-là pour avoir ce date-là, je pense. Ouais, donc voilà les gars. Funnel Tinder, étape par étape les gars. Même si tu es un gars moyen, tu auras des résultats. Ok, funnel Tinder, vous sous-estimez. Zeus, vous avez capté que c'était bon. Ça, je sais, je remercie tous ceux qui ont pris Zeus, vous savez déjà. Mais les gars, Funnel Tinder, les gars, j'ai l'impression que vous estimez vraiment. Funnel Tinder, c'est la base, les gars. Bref, et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore.